Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques. Il appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez le filet pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sous ton ordre, je vais jeter le filet. » Ils les firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leur filet se déchirait. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Le froid, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont les hommes que tu prendras. » Alors, ils ramassèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.